Allez, on y va tranquillement. Placez-vous les pieds parallèles, droit devant, et vous allez simplement monter sur la pointe des pieds et redescendre sur les talons. En montant, vous inspirez, en soufflant, vous redescendez. Inspiration, expiration. Si c'est trop difficile, déjà au niveau de l'équilibre, vous prenez une chaise et vous tenez le dossier de la chaise si vous vous sentez plus en sécurité. Montez pointe de pied et laissez redescendre au ralenti. L'intérêt du travail comme ça, hein, c'est de mobiliser la cheville, de renforcer les mollets accessoirement. Et puis ça permet de travailler l'équilibre en même temps et la respiration. Donc, inspire, monte. Expire, redescend. Ah ben super. On inspire, on monte. Et on redescend. Allez, encore 5. Pensez à l'inspiration, elle vous fait monter en fait. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Encore 3. Ouais. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Encore 1. Ok, ça permet de faire monter la température tranquillement. On va continuer sur la même idée. Et simplement, les deux bras vont s'élever en même temps que les talons. Et le souffle pour redescendre. Option, hein, si l'équilibre est toujours difficile, il n'y a qu'un bras qui va bouger, c'est pas grave. Montez sur la pointe. Et redescendez. Inspire. Expire. Allez, encore. Inspire. Expire. Salut Pascal. On inspire, on monte sur la pointe de pied. Avec les deux bras ou un seul si vous êtes sur la chaise. Et vous redescendez. Pas trop serrer les pieds pour avoir la stabilité. Je vous laisse faire. Hein. En fait, on appelle la figure de l'équilibre le parallélépipède de sustentation. C'est-à-dire... C'est une figure qui nous permet d'être en équilibre. Plus cette figure est petite, et moins on est en équilibre, plus elle est grande et plus l'équilibre se fait. Valérie aussi. Allez, encore 3. Pensez à faire un travail au ralenti, en imaginant que l'inspiration, que l'air dans les poumons vous rend léger et légère. Encore 2. Montez pointe de pied. Et relâchez. Un dernier. Et relâchez. Bien. Toujours la notion d'équilibre. Donc là, les pieds largeur du bassin. Je viens juste transférer le poids du corps sur une jambe pour pouvoir lever mon genou. La pointe de pied vers le bas. Vous essayez de monter le genou parallèle au sol. Et on redescend. Le poids revient au centre. Sentez ce transfert de poids. On fait toujours la même jambe. 6 fois. Allez, 2. Si vous pouvez monter un peu plus haut que l'horizontale, essayez, mais sans enrouler le bas du dos. Hein. Quand je monte, mon dos reste neutre, 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 neutre. Pointe de pied vers le bas, je reviens, je sens le poids qui revient au centre. Encore 4. Prenez le temps. Il n'y a pas de force dans le haut du corps. Et on repose. Waouh, ça fait du bien le silence de la tondeuse. L'équilibre, hein, le travail d'équilibre, c'est une sorte de méditation en soi. On se concentre sur ce qu'on ressent. Je vous demande pas de fermer les yeux parce que c'est encore plus difficile. Hein, ça rentre dans le jeu de l'équilibre. Mais essayez de sentir le poids du corps qui se transfère sur une jambe. J'allège tout le côté qui s'élève en fait. Et quand je repose, je sens le poids du corps qui revient au centre de ce parallélépipède de sustentation. Encore 2. Soufflez pour monter, rentrez le ventre, gardez la verticalité et on repose. Bien sûr, la chaise est là si vous avez besoin de vous tenir légèrement, encore un. Et l'on repose. Changeons de côté et souvent, si on a eu des blessures sur les chevilles, les genoux ou le dos, il y a toujours un côté qui est plus difficile en équilibre. Et puis, suivant si on est droitier ou gaucher. Moi, bien sûr, j'ai plein de blessures à gauche, donc difficile à gauche. Je vous laisse démarrer. Bien monter, bien grandir, en inspirant. Et sur le souffle, on repose et on sent le transfert du poids qui vient s'équilibrer sur les deux pieds.
Encore, on en fait 6 encore. Encore 5. Essayez de le monter ce genou sans avachir le bas du dos. Ça permet en plus de renforcer les muscles dans les hanches, les abdominaux, les muscles du dos et tous les muscles de la jambe d'appui. Encore 3. Sentez vraiment le transfert. Là, on a une ligne droite qui passe par le milieu du front, le menton, la poitrine, le genou et le pied. Et on repose. C'est reparti. Encore 2. Allez, un dernier. Montez. Et on repose. Bien, ça réchauffe bien le corps aussi. Gardez la même largeur entre les pieds. Je vais reculer peut-être un petit peu. Là, on va simplement avancer un pied. Que mon talon avant soit sur la ligne de mes orteils du pied arrière. Juste un pas, pas trop grand. Et mes épaules vont se tourner du côté du pied qui est devant. Je tourne le corps côté pied avant, ce qui fait que je vais créer comme un essorage du corps. Et ma tête va aller regarder au loin. Et revient. C'est un échauffement. Donc on y va tranquillement. J'avance le pied, je tourne le corps et j'essaie d'aller un petit peu plus loin. Là, le ventre est aspiré, rentré. Et en soufflant, revenez. Encore 3. Rentre le nombril. Regarde au loin. Et reviens. Pensez à travailler vertical. Encore 2. Droit. On revient. Allez, le dernier. Bien sûr, vous faites suivant vos possibilités, votre souplesse ou vos douleurs. Hein, allez-y doucement. Et revenez. Bien. Le fait de déplacer un pied, c'est aussi un déséquilibre. La marche, la course à pied, ce sont des déséquilibres qui nous permettent d'avancer. Donc c'est un peu ce qu'on a fait là. On a un transfert de poids. Quand je vais avancer mon pied, je sens le poids se met sur la jambe d'appui. Boum. Et après, il se transfère sur les deux pieds avec un peu plus d'énergie sur le pied avant. Surtout quand je vais mettre ma torsion, vous allez sentir le pied de devant est plus lourd que le pied arrière. Et vous revenez. Vous allez changer de côté. J'avance le pied et je tourne ma poitrine et mes épaules du côté du pied qui est devant. Et le regard va plus loin, lui. Plus loin, la tête plus loin. Et revient. Encore 3. Transfert de poids. Torsion, laisse aller les hanches aussi. Et retour. Encore 2. C'est des mouvements tout simples, hein, mais qui permettent de travailler la mobilité de la colonne vertébrale. Aspirer le ventre, ça va protéger les lombaires. Laisser partir les hanches, c'est le dernier. Et on revient. Bien. Épaules, genoux levés, rotation nuque. Et ben voilà, super. On monte d'un étage, on a échauffé un peu la colonne. Rotation de la tête. Sur les mouvements de rotation de la nuque, vous pensez que c'est le menton qui dirige le cercle ? C'est avec lui que je dessine un cercle devant moi. Lâchez les épaules, lâchez les trapèzes. Lâchez la mâchoire aussi, elle est entrouverte. Changez de sens. Laissez la respiration naturelle. Voilà, lâchez les épaules et redressez un peu le corps en gardant le ventre toujours actif, c'est-à-dire toujours légèrement aspiré. Bien, avec cette tête, vous allez simplement l'amener le plus possible vers l'avant et en soufflant le plus possible vers l'arrière. Avant, arrière. Avant, et arrière. Mâchoire toujours bouche ouverte. Un dernier. Yes. On revient sur l'équilibre. Vous allez lever un genou et simplement faire tourner le tibia et le pied. Le genou va rester à la même hauteur et on fait tourner tibia et pied. Si c'est nécessaire, utilisez la chaise pour l'équilibre, pour être plus sûr. Imaginez, on tourne
l'os du tibia qui tourne sur l'articulation du fémur. Le plateau tibial se réchauffe et on change de sens. Et en même temps, ça fait travailler la cuisse. On va les travailler ensuite. Ok, changer de genou, transfert du poids. On peut prendre l'équilibre si c'est nécessaire. Et rotation. Faites-moi un beau cercle avec l'ensemble de la jambe. La jambe, ça va du genou à la cheville. Et la cuisse, ça va du genou à la hanche. D'accord, en biomécanique, c'est comme ça. Jambes et cuisses, c'est pas la même chose. Et après, on entèle l'ensemble, les jambes. Mais... Et on change. Yes. Allez, on va. Rotation au niveau des hanches. Ça permet aussi d'entretenir les lombaires. Pensez à respirer doucement et calmement. Allez chercher à faire un cercle maximum. Pensez à garder le ventre tonique toujours. Toujours bien inspiré. Ah, salut Nathalie. Toujours un peu rentré. Pas trop, hein. On n'est pas tout le temps en pression, mais on est toujours en léger maintien. On ne laisse pas le ventre neutre. Échanger de sens. 10. On souffle. Ça, c'est des petits mouvements qui permettent vraiment d'entretenir les articulations des hanches ici et un peu les articulations des lombaires avec un maintien léger du ventre. Et 10. Bien. Extension, flexion. Ah. D'abord, inclinaison. On va simplement travailler le dos dans différentes positions avec différents niveaux pour ressentir les étirements et le travail musculaire de façon différente. Premier niveau, vous allez ouvrir les pieds un peu plus larges que les hanches. Laissez les genoux souples. Moi, j'appelle ça s'asseoir sur les genoux ou s'asseoir sur les talons. En fait, si je suis bien raide comme ça, bien tendu, vous sentez que le poids du corps, essayez de le faire. Le poids du corps, il est sur les orteils. Si je tends bien, je cambre un peu, j'ai tout le poids du corps vers l'avant. Quand je laisse mon corps s'asseoir, je le plie mes genoux. Là, on sent que le corps s'assoit sur les talons. Non, mais tu peux commencer maintenant sur le live, hein, si tu veux, Nathalie. On s'assoit sur les talons. Et du coup, le dos se place naturellement neutre. Si je tends, je vais cambrer, là boum, je reste assis, souple et détendu. C'est ce que j'appelle s'asseoir sur les genoux ou s'asseoir sur les talons, comme si on était presque assis sur un support. Là, tout s'est mis en équilibre, on est très stable, les pieds sont un peu plus larges que les hanches, on est très stable. Le ventre va être légèrement aspiré comme à son habitude et puis vous laissez glisser le corps le long de la cuisse jusqu'où vous pouvez. On essaye d'aller à mi-tibia et revenir sans faire tourner les épaules. Il faut rester dans l'axe, rester dans l'axe, rester dans l'axe. L'intérêt de ce travail, ça va être d'équilibrer les pressions sur les disques intervertébraux, les disques qui sont entre les vertèbres du dos. On équilibre. Et en même temps, on renforce les muscles obliques qui nous permettent de nous relever dans cette posture. On l'étire d'un côté. Donc, c'est des muscles abdominaux profonds et qui permettent la flexion, enfin l'inclinaison du corps et la torsion du corps aussi. Et en même temps, on les étire. Et on étire aussi les muscles le long de la colonne vertébrale. Laissez la tête tomber du côté de l'étirement. Ne forcez pas. Et vous remarquez que pour que rester debout, le corps, lui, l'envoie les hanches à l'opposé de l'étirement. Si je reste droit comme ça et que je penche, ça ne va pas être tout la même sensation. Là, on laisse tout partir. Tout le côté va s'étirer. Et encore une fois. Alors si déjà ça, c'est dur pour vous, c'est difficile, ça vous fait mal, vous restez sur ce niveau-là. Pour ceux pour qui c'est plus facile, reprenez une posture large, assis sur les talons. Inspirez. En descendant, vous allez venir allonger le bras dans l'axe du corps. Je ne tourne pas mes épaules, je n'ai pas le corps vers l'avant. Je tourne le corps bien face à votre écran, face devant vous. Et on revient. Inspire. Laisse le corps aller. Une fois que tu as placé le corps, tu peux
allonger le bras. Et là, les hanches vont vraiment à l'opposé. On étire, on reste de profil. Encore. Un. Voilà, laissez la tête aller aussi. Allez, c'est un étirement, mais en même temps, sur le retour, c'est un renforcement. Encore. On travaille également les muscles du dos. Hein. Tout entre en jeu ici pour se relever. Ouf. Allez, faites-le encore 4 fois. Gardez le ventre aspiré, grandissez la colonne et en soufflant, laissez descendre. J'ai dit en soufflant, mais c'est mieux de descendre en inspirant. J'inspire même de bloquer un petit peu la respiration si vous avez une inspiration un peu courte et soufflez plutôt sur le retour. Allez, faites-en encore 2. Inspire, rentre légèrement le nombril. Laisse descendre. Étire. Le dernier de l'autre côté. Inspire, fais monter un peu le ventre. Incline, garde l'air, garde l'air, garde l'air. Et là, lâche. Bien, si ce niveau-là est acceptable, si ça ne vous fait pas trop de mal, si vous sentez que ça travaille, on va rajouter un troisième niveau. Au lieu de tendre un seul bras, on va tendre les deux bras. Mais si déjà là, c'est très difficile, vous restez à ce niveau-là. Ne vous faites pas mal, il faut y aller progressivement. Reprenez la posture, bien assis sur les genoux. Une inspiration. Je monte, j'incline le corps. Et une fois que j'ai bloqué le souffle, là, je vais allonger les deux bras. Dans l'axe latéral. Les paumes se regardent face à face. D'accord, j'allonge les deux bras, les deux coudes sont tendus, la tête est presque posée sur le bras du dessous. Et inspire, et là vous ne baissez pas les bras que quand vous êtes revenu au centre. Ce qui va faire travailler plus fort les obliques. On part de l'autre côté, posture large, genoux souples, ventre légèrement aspiré. Inspire, incline bien dans l'axe, une fois que tu as bloqué le souffle, garde bloqué, garde bloqué, garde bloqué. Étire, 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 étire. Souffle et ramène. Ok, on inspire. On bloque. Descente. Bien dans l'axe. Souffle. Non, pardon, bloque. Bloque, 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 bloque. Et là, souffle. Ok, on fait en apnée le travail d'allongement des bras. Sauf si vous avez besoin de réinspirer au cours de l'exercice, c'est pas très grave. Hein. Vous réinspirez. Allez, je vous laisse faire. Vous inspirez le ventre. Laissez le ventre légèrement rentrer, tonique. Incliné, en ayant l'air bloqué. Tirez les bras, en ayant l'air toujours bloqué. Allongez, allongez, allongez. Et en soufflant, on ramène les bras tendus. Allez, encore. Plusieurs fois. Inspirez, rentrez le ventre. Gardez l'air. Inclinez au maximum de vos possibilités. Si l'oreille touche la cuisse, c'est super. Gardez le souffle et la soufflez. Allez, encore. Inspire, monte, rentre le nombril. Incline en gardant l'air. Étire les deux bras, paume de main face à face. Et en soufflant, et vous relâchez. Bien. J'espère que vous avez bien senti travailler votre dos là-dessus. On va travailler les lombaires maintenant. Donc ça a travaillé les côtés plutôt, le dos. On va travailler plutôt, pardon, avant de travailler les lombaires, l'extension et la flexion de la colonne. Mais version haute. C'est tout simple. Hein. Vous êtes toujours dans une posture confortable au sol, assez large. Genoux souples, assis bien, le poids du corps bien dans le milieu du pied et les talons. Et là, simplement, vous allez emmener la tête vers l'arrière et les épaules vers l'arrière. Vous laissez le corps se cambrer légèrement. Et on revient vertical. Attention, ça peut faire tourner un petit peu la tête. Alors, ayez toujours une sécurité, c'est-à-dire toujours une chaise devant vous si vous avez besoin de vous poser un petit peu. Et si ça tourne, attendez le deuxième tour, enfin le deuxième ou troisième exercice, troisième répétition pour reprendre. Hein. Prenez le temps que ça ne tourne plus. Ça peut être l'accès de l'oxygène et puis emmener la tête en arrière, ça peut faire tourner la tête. On recommence. Stable, j'inspire, je bloque le ventre rentré, je viens regarder en arrière, loin, les épaules en arrière, et souffle,
Reviens dans l'axe. Évite d'aller trop vers l'avant pour ne pas perdre l'équilibre. On le fait encore 3 fois. Celui-là, il est assez sympa, assez étonnant. Souple sur les genoux. Bloque. Viens vers l'arrière. Amène les épaules, les bras légers. Entre et souffle. Là, on étire en même temps la sangle abdominale, la souplesse bas du dos et on rééquilibre aussi la pression des disques intervertébraux. Encore une fois, aspire, rentre, souple sur les genoux, garde l'air. Épaule. Et ce mouvement d'extension, il permet de lutter contre le mouvement d'enroulement comme ça du dos. Ça permet de retrouver une verticalité plus physiologique. Mais on va quand même travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va enrouler la colonne un petit peu vers l'avant. On va cibler surtout le haut du dos. Donc ça va être à peu près le même travail. Je vais garder le ventre toujours tonique, inspirer, garder l'air. Et en soufflant, je vais enrouler le haut du dos, pas le bas, que le haut. Donc fermez les épaules et rentrez le menton. Et on pense à pousser le milieu du dos loin derrière. Et de là, je redresse dans ma posture naturelle. Donc inspirez, rentrez légèrement le ventre. Et en soufflant, rentrez le menton, rentrez les épaules. Fermez complètement la posture, mais sans pencher le corps en avant, enfin le bas du dos en avant. On penche que la tête et on ferme les épaules. Et là, on retrouve ensuite la verticalité. En imaginant comme une fleur fermée qui s'ouvre. On s'ouvre à la vie. On va le faire vraiment avec le souffle. Donc, inspire, rentre le ventre, bloque l'air, garde l'air bloqué. Verrouille, pousse le dos loin, verrouille la tête en avant et la souffle. Et réouvre. Encore 3 fois. Inspire, bloque, tout en avant sans pencher le corps, que la tête et ferme les épaules. Et souffle, redresse. Le menton bien fier, les épaules légèrement en arrière. Le ventre toujours légèrement aspiré. Encore 2 fois. Inspire, rentre, bloque et ferme. Les épaules, la tête. Vous imaginez les omoplates qui s'éloignent dans le dos et le dos qui sort entre les omoplates. On étire les vertèbres du haut là. Et souffle, redresse. Le fait de les assouplir va permettre aussi une meilleure posture qu'une posture toute raide, toute fermée. Dernier travail. On bloque. Et souffle. Et souffle. Yes, relâchez un petit peu. Soufflez un petit peu. Je vais boire un petit coup. Hop. Donc là, on a mobilisé principalement le haut du dos. On va faire la même chose pour les lombaires, le bas du dos. Donc le haut du dos, la colonne, elle est plutôt dans un angle comme ça, un angle fermé. D'accord ? Le bas du dos, elle est plutôt dans un angle ouvert, comme la nuque. La nuque, le haut et le bas, ça forme un... C'est sinusoïdal, la colonne vertébrale. D'accord ? Donc, des fois, avec les mauvaises positions ou avec l'âge aussi, les postures s'exagèrent. Soit le dos s'enroule, soit la cambrure devient exagérée pour la nuque aussi, ou la nuque va vers l'avant. Tout ça, ça crée des douleurs. Et le fait de mobiliser, travailler, étirer, assouplir, renforcer, ça permet d'éviter ces mauvaises positions et d'éviter ces douleurs. Ok, pour les lombaires, c'est la même position au sol. Toujours bien assis, comme je dis, sur les genoux ou poids du corps dans les talons. Les fesses sont souples, relativement souples. On est bloqué articulairement, quoi, en fait. On est posé, stabilisé. Là, on va utiliser le bassin pour aplatir le bas du dos. Et le ventre va rentrer. C'est-à-dire que quand je vais souffler, on va le faire sur le souffle, on va rentrer les fesses et rentrer le ventre. Et on va faire remonter
ce qu'on appelle la symphyse pubienne, l'endroit où le bassin est soudé, d'accord, juste devant. On essaye de faire remonter ça vers le sternum et ensuite je relâche. Je reviens au neutre. Donc ça, c'est vraiment une histoire de sensation. Assez large sur les appuis, un peu plus large que les hanches. On regarde loin devant, on libère le haut. Vraiment, on relâche le haut, on coupe le corps en deux. Hein, et on va travailler que au niveau des hanches. Donc, inspiration. Mon ventre est légèrement rentré, mais il n'y a pas de contraction. À l'expire, je serre les fessiers, je remonte l'avant du bassin. En rentrant un maximum le nombril, j'imagine que j'aplatis complètement mes lombaires et surtout au retour, je relâche tout. Sans forcer le retour. Le retour, c'est juste un relâchement. Je pose. Allez, encore 4 à 5 fois. Inspire, rien. Expire. Et laisse aller. Rentre. Et pouf, relâche. Essayez de sentir ce bassin qui bouge grâce aux fessiers et aux abdominaux. Encore. Inspire et rentre. Les genoux ne se tendent pas, ils restent souples. Le poids du corps reste dans les talons. On est bien vertical, bien droit. Et on relâche. Allez, encore 3 fois. Et souffle. On rentre, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule. Excellent, ça pour détasser les vertèbres lombaires. Et relâche. Encore 2. Inspire, si ça vous aide, vous mettez une main sur le haut du bassin, la lose du bassin, et une main sur le bas du ventre, et vous essayez de sentir que ça bouge. Hein. La main sur le bas du ventre va monter, la main sur le bassin va descendre. On va le faire 2 fois avec si vous avez mis les mains. Vous pouvez vous aider avec les mains aussi en pressant vers le bas et vers le haut. Et on relâche, dernière fois. Et relâcher. Bien, rétroversion du bassin. On va faire torsion du bassin. On l'a un peu fait à l'échauffement. Le fil sous mon pied. Un peu fait à l'échauffement, mais là, on va le faire. À l'échauffement, vous vous souvenez, on avançait un pied, on tournait les hanches, donc mon bassin tournait. Pareil, là, on va le faire sans bouger les pieds. On a les pieds assez larges, on est bien assis sur la posture. Et je vais simplement avancer une hanche pour l'amener comme si je voulais l'amener de l'autre côté. Mais mes épaules vont rester de face. Et je reviens sans effort. Donc inspirez. Vous gardez l'air inspiré. Vous tournez. Et en soufflant, vous revenez. On fait toujours le même côté. Imaginez que vous tenez quelque chose devant pour ne pas tourner les épaules. Et si c'est vraiment difficile, vous pouvez prendre votre chaise. Et vous allez, ben là vous ne voyez pas mon bassin, mais vous allez bouger le bassin en essayant de garder vraiment les mains et les épaules de face. Grâce à la chaise, ça peut être un moyen de s'aider. Le mieux, c'est de le faire sans pour ressentir ce qu'il faut, comment mettre en place ce type de mouvement. Inspirez, bloquez, rentrez le ventre et gardez. Faites tourner, sans tourner la tête, sans tourner les épaules, et soufflez. On le fait encore 2 fois de ce côté. Inspirez, gardez, ventre rentré, tournez. Sentez qu'il y a une hanche qui recule, une hanche qui avance. Et les genoux aussi entrent dans le mouvement. Dernière fois. Bloquez et lâchez. On change de côté. On ne pense pas d'abord au souffle. Essayez juste d'abord de faire le mouvement en gardant les épaules de face. Alors mettre les mains devant aussi, ça aide. Ça aide plutôt qu'avoir les bras le long du corps. Il est plus facile, là ça fixe un petit peu plus la poitrine, si ça vous aide, vous pouvez mettre les mains devant. On travaille avec la respiration, donc vous inspirez, bloquez, tournez, restez de face, le regard reste de face, loin, et soufflez. Sentez comme ça lâche au retour, encore, 4, bloquez. Regarde loin, regarde devant. Et là. Encore 2. Rentre, bloque, twist. Et relâchez. Dernier.
Épaules souples, fières, menton bien placé, bloc. Va chercher. Plus tu tournes et plus tu grandis aussi. Si tu es bien grand dans la colonne, elle va avoir dans le haut et il va avoir tendance à rester de face. Hein, plus facilement. Et on relâche. Bien. Marcher un petit peu sur place, relâcher. C'est pas évident ce mouvement-là et pourtant on le fait tous les jours en se déplaçant. Hein. Le bassin fait un mouvement de rotation comme ça, légère bien sûr, tous les jours. Allez, on va muscler un petit peu les cuisses. Pour ça, vous allez avoir besoin de votre chaise. Ou pas, mais c'est mieux pour l'équilibre. Ça permet de moins se concentrer justement sur l'équilibre, et de mieux travailler sur la technique. Donc c'est tout simple. Ce qu'on a fait à l'échauffement, j'ai une largeur du pied entre les pieds qui est la largeur du bassin. Vous allez monter le genou. Une fois qu'il est monté parallèle au sol, sur la ligne de hanche, simplement vous tendez la jambe sans enrouler le dos, sans cambrer et sans faire le dos rond. Et ensuite, on va reposer. D'accord ? Je montre ça de profil. Ce qui est important sur cet exercice qui paraît pas trop difficile en soi, c'est surtout de tenir le creux lombaire. D'accord ? Donc, largeur du bassin, genou souple, j'ai pas besoin de tendre ma jambe d'appui, regarde droit devant, je reste bien vertical, bien fier, transfert poids du corps, on monte le genou sur la ligne de hanche, si c'est possible, et ensuite je tends la jambe dans l'axe du genou. Si vraiment c'est trop raide, trop difficile, bah, travaillez en extension vers le bas. Une fois que la jambe est tendue là, vous allez contracter la cuisse, le haut de la cuisse au maximum. Redressez la colonne, vous pliez et vous reposez. On fait la même jambe, 10 fois. Pas trop vite, je donne un rythme, mais si ça va trop vite, vous faites un mouvement sur deux, c'est pas très grave. L'important, c'est de bien travailler, de bien ressentir, de mettre tout en place pour que ce soit un mouvement utile et intéressant. Largeur bassin, verticalité, fier, inspiration, je transfère mon poids, équilibre, élévation du genou et sur le souffle, extension, verticalité, on replie, on repose et on sent le poids qui revient en équilibre. D'accord ? Si vous ne voulez pas utiliser la chaise, vous pouvez le faire sans la chaise. Équilibre, souffle, vertical, fier. Et on revient, transfert poids, je reviens au centre. Allez, 3. Prenez le temps, sentez tout ce qu'il y a à sentir. Hein. Le bas du dos est placé, le ventre est légèrement aspiré, la tête est droite, la contraction de la cuisse, on replie et on repose. Si vous pouvez essayer de monter un peu plus haut à chaque passage, faites-le. Allez, 4. 5. Transfert du poids. 5. Vous allez sentir la jambe d'appui qui travaille aussi pour maintenir l'équilibre. Hein. Alors essayez de libérer un petit peu la main qui tient la chaise. Vous commencez à avoir toute la main dessus. Ensuite, vous mettez que 4 doigts. Ensuite, que le bout des doigts. Et peut-être après, un seul doigt. Je vous laisse encore faire 6 mouvements. Toujours la même jambe. Hein. Toujours la même jambe. Et le souffle le plus naturel possible. Essayez de la tendre, cette jambe, même si vous n'êtes pas à la hauteur de hanche, peut-être vous êtes plus haut, mais si vous êtes un peu en dessous, c'est pas grave. L'intérêt, c'est aussi de la tendre, de tendre le genou pour travailler l'articulation du genou, l'entretenir. Allez, encore 4. Sans avachir le bas ni le haut du dos. Bien droit. Encore 3. Allez, ça commence à travailler sûrement dans les hanches. Allez, les deux derniers, essayez de presque plus tenir l'équilibre. De ne plus tenir la chaise, je veux dire. Mais de rester en équilibre. Encore un. Et reviens. Bien. On change de jambe, 10 fois. Donc, la même posture, largeur du bassin. Bien stable, genou souple, le dos placé, le ventre légèrement tenu. On redresse la poitrine,
Je sens mon transfert de poids. Je monte le genou et en soufflant, je tends la jambe. J'essaye de la tendre sur l'axe de ma hanche. Inspire, repose et sens que le poids revient au centre. Prends le temps de revenir à chaque fois. On repart. Creuse, 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 redresse, grandis, étire, sans tendre la jambe d'appui. Elle est toujours souple, souple, légèrement fléchie. Ouais. 3. Et on redresse ce dos. Il a tendance à vouloir s'enrouler, c'est plus facile pour lui, pour le corps en tout cas, pour l'équilibre aussi. Mais nous, on veut le garder droit. Voilà, prends le temps de respirer. 5. Si c'est trop dur, tu as le droit de rater un ou deux mouvements et puis d'en faire un peu moins. Allez, 6. Transfert, élévation, extension, contraction de la cuisse. Allez, encore. 7. Transfert, ventre inspiré, 8, extension, extension, tendez-le ce genou, tendez-le, sans pencher le corps, on pourrait monter plus haut si on penchait le corps en arrière, mais on essaye de rester vertical. Les deux derniers, pensez à rester, grandir, gonfler la poitrine, et un dernier, là vous commencez, vous avez dû sentir travailler la hanche et les cuisses et les hanches en latéral, hein, plier et reposer, relâcher un petit peu, souffler. Bien, hydratez-vous si c'est nécessaire. On va bientôt passer sur la serviette au sol. Allez, on va se faire. Viviane, salut. On va se faire un travail des hanches à nouveau. Donc la chaise toujours pour par sécurité si c'est nécessaire. Je vais la mettre plus là, voilà, pour être bien centré. La même posture, toujours stable. On doit se sentir ancré dans le sol, hein, c'est enraciné quoi. Donc bien à plat, les pieds bien à plat. Si vous êtes pieds nus, c'est encore plus simple de sentir qu'on ouvre les orteils, même si on n'y arrive pas vraiment. Si on n'arrive pas à mettre les orteils en éventail, mais on essaye de sentir qu'on est complètement à plat sur la plante de pied. Si vous êtes en basket, c'est plus difficile de le ressentir, mais vous pouvez y penser. Essayez de sentir ce pied bien posé. Là, je vais simplement transférer le poids sur ma jambe d'appui près de la chaise et puis lever ma jambe sur le côté. Là, on actionne les muscles de la hanche. Et vous allez faire un cercle dans le sens que vous voulez avec cette jambe. Restez vertical. Gardez le ventre légèrement aspiré. Faites-moi un cercle de taille moyenne, quoi. Pas trop grand, pas trop petit. Juste ce qu'il faut pour ressentir que ça bosse. 5. On en fait 10. 6. 7. On est toujours en appui sur notre jambe qui est légèrement fléchie. 8. 9. Le dos droit, le ventre tenu. 10. Remontez le genou. La même jambe, vous l'envoyez. Je vais mettre de profil, je monte et la même jambe sans poser le pied, je l'envoie derrière. Attendez, je me place mieux. Voilà. Je l'envoie derrière en ayant le talon vers le plafond. Mon corps reste relativement vertical, pas trop non plus, pas se faire mal au dos, juste qu'il faut pour sentir que le fessier se contracte. Je reviens. J'ai pas posé le pied, vous n'avez pas posé le pied encore. Et vous allongez pas trop haut non plus, on étire le genou. On laisse la fesse se contracter sans trop cambrer le dos. Allez, 10 fois. 3. Ne tendez pas la jambe d'appui. 4. Restez face à votre chaise. 5. Redresse. Reste. 6. Là, vous sentez le travailler le haut de la fesse normalement. On est fesse et lombaire un petit peu associés. 7. Soufflez pour l'extension. 8. Fier et aspirez le ventre légèrement. 9. On n'a pas posé le pied encore. 10.
Ne posez pas le pied, vous allez simplement ramener le genou, retendre la jambe sur le côté et faire 10 cercles dans l'autre sens. Le pied est souple, la jambe est tendue, la jambe qui travaille est tendue, la jambe d'appui est légèrement fléchie. Le corps est tenu, la poitrine est face à la chaise. 7, 8, 9, 10. On n'a toujours pas posé le pied, montez le genou et tendez sur le côté. Je monte le genou et je tends sur le côté. 1, 10 fois et c'est fini après. 2, et normalement, 3, vous sentez la hanche d'appui au maximum. 4, le fessier travaille. 5, 6, 7. Ça permet vraiment une stabilité plus forte du bassin et donc une meilleure santé des lombaires du bas du dos. 9 et 10. Relâchez. Là, vous devez sentir le fessier d'appui. C'est assez puissant. Eh bien, on va changer de côté, tout simplement. Voilà. Allez, placez-vous. Souvenez de la première étape. Vous transférez le poids du corps sur la jambe d'appui, genou souple. Je mets ma jambe sur le côté, ni trop haut, ni trop bas. Et c'est parti pour 10 tours. Le pied, on s'en fout un petit peu, il est souple. 2, 3. Le souffle, il est naturel. La poitrine est fière. Le ventre aspiré. 5, 6, grandissez, 7, 8, montez un petit peu plus là, 9, 10, ne posez pas le pied, montez le genou et vous allez tendre la jambe loin derrière, talon vers le bas, je me mets de profil pour que vous voyez le travail, inspire, expire, regardez, je ne me penche pas trop en avant, puis je ne monte pas trop la jambe pour pas trop cambrer, juste ce qu'il faut pour que vous sentiez votre fessier s'engager. Allez, 10, 2, 3. Là, le talon et les orteils sont dirigés volontairement vers le bas. Ne laissez pas le pied s'ouvrir comme ça. On tourne le pied vers le sol. 5. 6. 7. Genou fléchi légèrement. Dos neutre, toujours creux, le ventre aspiré. 9. 10, ne posez pas le pied, amenez-le sur le côté et vous faites 10 tours dans l'autre sens. 1, poids du corps sur la jambe d'appui, 2, voilà, 3, on essaye de sentir cette ligne qui passe par notre jambe d'appui jusqu'au front. 6, 7, allez, soufflez bien, 8, souple au niveau de la cheville, 9, 10, et dernier mouvement, j'inspire sans poser le pied, je tends sur le côté, inspire, expire. Allez, vous sentez 3, la hanche d'appui. 4, 5, 6, 7, 8. Soufflez, plus ça devient dur, plus vous soufflez. 9 et 10. Ok, relâchez, marchez, sentez comme ça a bossé au niveau des hanches. C'est très important. Ça stabilise les hanches et le bassin, et donc le bas du dos. Nous allons passer au sol. Donc je compte sur vous pour me dire si c'est trop difficile de passer à genoux au sol ou de vous relever. Si c'est dur, on évitera de faire du travail couché, mais c'est intéressant quand même, surtout que le dos est souvent bien maintenu. Je vous montre pour ceux pour qui ça risque d'être difficile de passer au sol, vous allez vous aider de la chaise. Vous allez prendre appui sur l'assise de la chaise, plier un genou, plier l'autre, on pose une main au sol, on laisse aller ses hanches sur un côté et on y va tranquillement ensuite. Une fois qu'on est assis, on a fait le plus dur. Pour se coucher sur le côté, il ne faut pas se laisser tomber vers l'arrière. Ça demande beaucoup de maîtrise. On va rouler sur le côté. Voilà. Et puis on va se laisser rouler ensuite sur le dos. Bien, faut que j'enlève la chaise. Je ne sais pas si vous me voyez toujours, normalement oui. Donc vous êtes couché sur le dos, jambes tendues,
Le regard droit devant, le menton n'est ni trop en arrière ni trop fermé, juste ce qu'il faut. Et le dos est neutre, c'est-à-dire qu'il y a un léger creux lombaire normalement, naturellement sous le dos. On dit que sous son dos peut passer une petite colonie de coccinelles. C'est ce qu'on disait quand je suivais mes cours de pilates. Laissez passer les petites coccinelles sous votre dos. Donc je ne plaque pas mon dos, pas encore. Et là on va travailler les muscles abdominaux, le grand droit, qui permettent la flexion du buste. Et pour ça on va s'aider de la jambe, c'est tout simple. Je vais d'abord monter mon genou au-dessus de ma hanche. Monter mon genou au-dessus de ma hanche, ni en arrière, ni trop en avant, juste au-dessus. Regardez-le, hein, il doit être vertical. Le genou est souple. Et là, on va venir attraper l'arrière de la cuisse. Et en soufflant, je vais tirer sur mes bras, essayer de rapprocher ma tête du genou. En inspirant, je vais lâcher les genoux et retenir ma descente. Ok, c'est simple, hein, je m'aide à monter. En soufflant, une fois que je suis le plus possible monté, je lâche mon genou. Déjà là, il y a un travail abdominal de maintien. Et je retiens la descente. On en fait 10. Allez, 1. Souffle. Là, le bas du dos, les coccinelles, on les écrase. Hein. Pauvre bête. Ouvre. Déroule. 2. Et je suis sûr que vous allez sentir le bien-être au niveau des lombaires d'enrouler, de dérouler son bas du dos comme ça. 3. Maintien. Elle laisse descendre. Quand vous descendez, il ne faut pas que le genou recule. Il va avoir tendance à reculer pour l'équilibre. Hein. J'essaye de le tenir au même niveau, de ne redescendre le buste que le buste. Allez, 4. Et... Allez, 5. Pense à rentrer le nombril légèrement. Ouvre. Allez, 6. Souffle. Maintiens. Maintiens le genou et déroule. Allez, 7. Là, ça commence au niveau des abdos à travailler certainement. Si c'est trop dur, vous relâchez un petit peu, vous faites 5. Au lieu de faire 10 mouvements, vous en faites 5 ou 6. C'est déjà bien. Un dernier. On retient. Et surtout, laissez descendre au ralenti. Hein, et relâchez. Bien, plier les deux genoux, relâcher un petit peu. On va faire la même chose de l'autre côté. On travaille les abdominaux surtout au retour. Ils maintiennent le corps. Hein, on travaille en excentrique, ça s'appelle en étirement des abdominaux. Parce qu'en fait, les abdominaux ont très rarement cette action-là de flexion du buste. Ils ont plus une action de maintien du corps, de verticalité. Donc c'est plus intéressant de les travailler en étirement qu'en contraction, souvent. On monte l'autre genou, axe des hanches, genou souple. Je vais en soufflant attraper l'arrière de mon genou et amener la tête vers le genou. Les bras m'aident un petit peu. Là, je maintiens l'équilibre et je déroule. Alors, si le cou vous fait très mal, parce que c'est une histoire d'habitude, vous pouvez, pour la descente, vous montez. Pour la descente, vous mettez une main derrière la tête, l'autre s'ouvre et vous tenez votre nuque jusqu'à la descente. Allez, 3. 1, vous tenez la tête et vous redescendez jusqu'à ce qu'elle se pose au sol. 4. Rentre le nombril. 5. Allez, enroule, 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 enroule. Ouvre. Allez, 6. Sentez cette colonne qui s'enroule et se déroule. 7. Soufflez. Allez chercher le plus loin possible. Maintenez. Pensez au support de la tête. Et déroulez. Allez, 8. Plus que 2. 9. Allez, sentez la mobilité au niveau du dos. Maintien. Allez, dernier. 10. On peut rester des heures comme ça et on déroule.
relâchez. Non, peut-être pas. Voilà, pliez les genoux, restez un petit peu sur le dos. Ça fait du bien d'être couché sur le dos. Ça repose la colonne vertébrale. Bien. Allez, un travail au niveau du psoas, de l'iliopsoas, et un petit peu des abdominaux en même temps, et un petit peu de la cuisse. Un travail un peu difficile, mais je suis sûr que vous allez y arriver. Vous allongez les jambes. Le petit creux lombaire est revenu. Les petites coccinelles peuvent passer sous le tunnel tranquillement. Là, en inspirant, vous allez lever une jambe et chacun suivant ses possibilités. On essaye, l'idée, ça serait de la monter au moins perpendiculaire à son corps. Et c'est sur, ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir le genou tendu pour venir travailler l'étirement de la cuisse ici. Et en soufflant, je la redescends. Toujours la même jambe, 10 fois. Inspire. Et ce que j'aimerais, c'est que le dos, lui, reste toujours avec ce petit creux lombaire. Donc pour ça, il faut tenir le ventre, il faut rentrer le ventre. Surtout à la descente, il ne faut pas que ça s'accentue ici. Ça reste toujours pareil, neutre. Pour ça, il faut tenir le ventre, il faut le rentrer en permanence. Si vraiment c'est trop dur, jambes tendues, vous pouvez travailler avec une légère flexion et vous retenez. Voilà, je viens poser le pied avant de réallonger la jambe. Je peux travailler, jambe fléchie. Ce qui est important, c'est de garder le dos creux. Allez, on est parti. 8. Allez, monte, 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 monte en inspirant. Souffle. Rentre, rentre, rentre. Tiens le dos. 8. Allez, 7. Inspire. Tendu. 6. 6. Allez, tendu, tendu. 7. Pointe de pied tendue. Pointe de pied tendue. Et on descend. Ou jambes fléchies. 4. Là, vous sentez le travail au niveau de la hanche, des abdos certainement, et peut-être du dos. 5. Souffle à la descente. 2. Allez, dernier. 1. Relâchez, bougez un petit peu la cuisse tranquillement et puis on change de côté. On y va? Allez, c'est parti. L'autre jambe tendue. 1. Montez là en inspirant, soufflez et laissez redescendre. Encore inspirez, montez. Soufflez. Et laissez redescendre. Pensez que le dos doit rester creux. Inspirez. Pointe de pied. Tendez le genou comme vous pouvez au maximum. Sauf si c'est vraiment trop dur. Et là, vous travaillez jambes fléchies. Soufflez. Redescendez. Allez, 4. Pensez à grandir la colonne si ça va vous aider à garder ce creux lombaire. 5. Bien allongé. Sans cambrer. Juste neutre. Allez, 6. Allez, 7. Allez, ça peut trembler, hein. Si ça tremble, c'est bon signe. 8. Creux lombaire, ventre aspiré, poitrine fière. 9. Et 10. Et vous relâchez. Bien, pliez les jambes pour relâcher un peu le dos qui a travaillé sur ce mouvement-là, en statique surtout. Là, nous allons travailler les torsions. Torsion du dos. Alors, on va y aller progressivement. Vous allez tendre une jambe au sol et monter le genou comme tout à l'heure, hein, sur la ligne de hanche. Les bras vont s'ouvrir légèrement, pas trop, pas horizontal, on va les garder en un léger angle vers le bas, un angle fermé légèrement, 45 degrés par rapport au corps, par rapport à un angle droit. Ce genou-là, je vais l'amener vers l'intérieur en essayant de ne pas décoller mes deux épaules, ni mes bras, ni mes mains, et j'essaye de l'amener jusqu'au sol si c'est possible. Si c'est pas possible, ne forcez pas.
Laissez aller en soufflant. Vous inspirez, vous revenez. Et le même genou, je le laisse s'ouvrir. Complètement de l'autre côté. Ce qui fait que ma fesse va décoller légèrement. On travaille là sur la mobilité de la torsion. Surtout des lombaires, mais toute la colonne vient en torsion. Inspire, reviens. Expire. Laisse. Pour l'instant, la tête, vous faites ce que vous voulez, on va la mobiliser tout de suite après. Inspire, laisse, ouverture. Maintenant, la tête, on la mobilise. Quand mon genou va descendre vers l'intérieur, je vais regarder à l'opposé en soufflant. Je regarde à l'opposé du genou. Laisse tes épaules au sol. Laisse aller, essaye d'aller un peu plus loin. Inspire, la tête revient avec le genou dans l'axe. Ma tête regarde à l'opposé. Laisse aller là, laisse aller, laisse ta fesse se décoller. Amène ton genou en ouverture maximum. Allez, encore. La tête à l'opposé. Avec la main, vous poussez, vous tirez sur le genou, vous l'appuyez contre, vers le sol, vous le tirez vers le sol. Ah, ça fait du bien. Et reviens. Ouverture, tête à l'opposé. Avec votre main, vous pouvez aider votre genou à s'ouvrir un peu plus. On le fait encore deux fois. Inspire. Tête. Et retour. Inspire. Tête. Vous pouvez vous aider avec le genou. Écoutez, sur le dernier, on va rester avec le genou vers l'intérieur. Donc, inspire. Mets le genou vers l'intérieur. Vous pouvez regarder l'écran et avec le bras libre, j'ai un bras qui vient tenir le genou, le bras du même côté vient tenir mon genou, d'accord? Le bras du même côté tient le genou sur le côté. Le bras libre, lui, je vais lui faire faire un grand cercle en ouvrant bien le dos, bien la poitrine, maximum. Encore, on fait 5-6 cercles. J'ouvre, j'ouvre, j'étire au-dessus de la tête, j'ouvre la poitrine et je tiens mon genou très proche du sol ici, pour avoir un bon travail de torsion et de mobilité du dos. Encore 3 fois. Encore 2. Allez, travailler la souplesse de la colonne. La dernière. Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Et vous revenez doucement sur le dos. Allongez les deux jambes. On prend 2 secondes pour comparer nos deux côtés. Il se peut que le côté que vous venez de travailler soit un peu plus posé, un peu plus même long que l'autre côté. Si vous avez bien relâché, bien détendu, eh bien ça ne laisse pas le corps à notre, sans réaction. Allez, changeons de côté. Donc, genou, axe des hanches. En soufflant, bras légèrement ouverts, je l'amène vers l'intérieur. Là, pour l'instant, la tête suit le mouvement. Essayez de garder les épaules en contact avec le sol. Inspire. Et ouvre. On laisse tourner les hanches. Inspire. Et flexion. Vous pouvez sentir aussi la différence entre un côté puis l'autre, il y a peut-être un côté plus souple que l'autre. Ouverture. Inspire, maintenant la tête va regarder à l'opposé du genou et vous pouvez vous aider avec la main pour appuyer sur le genou, pour gagner en amplitude. Inspire, la tête à l'opposé. Encore. 2. Soufflez bien quand vous allez sur les côtés, inspirez au centre, encore 2 fois, enfin l'avant-dernière, la tête à l'opposé, ouvrez bien les bras, étirez bien le dos. Allez. Dernier, vous restez dans la position de torsion et le bras libre. L'autre tient le genou, du même côté, le bras libre va faire un grand cercle au-dessus de la tête.
et loin en ouverture. On en fait 5 en soufflant. 1. Deux. Allez. Allez, on a presque fini. Trois. J'adore ce mouvement. Mouvement fluide. Prenez votre temps. Hein. Ne cherchez pas à aller trop loin. Juste ce qu'il faut pour relâcher le corps. Mais c'est surtout la respiration qui va vous aider. Il se peut que ça cracouille un peu dans les vertèbres. C'est bon signe, ça veut dire que ça se relâche. Un dernier. Oh. Et revenez sur le dos, doucement, voilà, pliez les genoux et levez les genoux, attrapez-les et vous les ramenez vers le ventre sans trop forcer, juste ce qu'il faut. Là, ce que vous devez ressentir, c'est que votre colonne est à plat. On enlève toutes les courbures naturelles de la colonne dans cette posture, on la pose complètement à plat. Vous lâchez votre ventre, les épaules, la nuque, la tête, relâchez bien le corps. Voilà, quelques secondes. Voilà, détendez. Bien. Je vous montre comment vous relever sans vous blesser. Et s'il y a besoin de la chaise, je vous montre aussi avec la chaise. Hop. Donc, pour se relever sans se blesser, on le sait tous parce qu'on l'a au moins entendu une fois ou notre médecin nous l'a dit, hein, il faut rouler sur le côté. C'est tout simple, hein, mais il faut laisser le corps faire en même temps quand je roule sur le côté. C'est-à-dire que je vais laisser mes genoux tomber sur un côté, ça va entraîner mon bassin et ça va entraîner mon épaule. Là, j'ai roulé sur le côté sans force. Ensuite, j'ai plus qu'à utiliser la force que j'ai dans les mains pour pousser. Ok ? Si j'ai besoin, j'ai ma chaise qui n'est pas loin, hein, si elle est pas très loin, j'espère. Eh ben, vous venez prendre appui sur le siège de la chaise. Voilà, pour passer à genoux. Un pied devant. On pousse sur la chaise pour se relever. On se redresse. Voilà. On reste debout pour finir. Juste deux respirations. Et vous allez pouvoir aller soit faire la sieste, soit prendre votre repas. Moi, je vais aller cueillir des bonnes petites fraises. J'en ai plein le jardin. C'est cool. Donc, main sur le ventre. On fait trois respirations par le ventre. Vous allez gonfler le ventre en inspirant par le nez. Imaginez quand vous gonflez le ventre qu'il pousse aussi vos lombaires au loin derrière, qu'il les détend. Et vous soufflez en relâchant le ventre sans le forcer. Et là, vous pensez que vos épaules descendent vers le sol, dans le sol, que vous entrez vous-même dans le sol. On inspire à nouveau. Je gonfle le milieu, le bas du dos, le ventre. Et je souffle, tout s'apaise, s'enfonce dans le sol, mais s'enfonce de façon légère. Hein. Se relâche. Dernière fois. Gonfle, gonfle, et voilà, ben j'espère que ça va bien, ça va mieux après ce cours, que vous avez apprécié, vous marquerez tout ça dans les commentaires, si le travail couché ça vous va, si ça vous convient, on en fera d'autres, il y a plein de mouvements à faire coucher, plus facilement que sur une chaise ou debout, il y a beaucoup de choses à travailler, hein. Je vais utiliser la méthode Feldenkrais ou la méthode Mézières aussi, des choses assez intéressantes qui peuvent nous permettre de gagner en mobilité avec des mouvements simples mais toujours très efficaces. Voilà, ben merci d'avoir été là, bienvenue aux nouveaux, j'ai vu que certains qui sont passés voir, j'espère qu'ils seront là sur le cours, et puis je vous dis à très bientôt, cette vidéo vous la retrouverez en replay sur mon compte Facebook, mais aussi sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui veulent, ce soir 19h, entraînement dynamique et physique. Profitez du temps, du beau temps, profitez du soleil, profitez de la vie, restez en forme. Je vous embrasse et j'attends vos commentaires. Bisous à tous, salut.